Salut tout le monde, c'est Aurelwish Games, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, mais là on se retrouve avec une vidéo exceptionnelle, le début d'un jeu exceptionnel, les gens, pour ceux qui regarderont la vidéo Horizon Forbidden West, la suite d'Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn que j'ai refait il y a pas longtemps, que je viens de finir, que j'ai fini hier soir dans la nuit, très tard, voilà. Pour me rappeler en fait du scénario, pour retrouver, voilà, reprendre la main sur le gameplay, enfin voilà, pour que ça soit un peu plus facile pour la suite, pour celui-là. Voilà, pour pas mal de raisons, je trouvais que c'était mieux vraiment de refaire Horizon Zero Dawn avant de se lancer dans celui-là. J'aurais pu y jouer à minuit aujourd'hui, mais là, bon, bah, il est 23h45, vendredi soir, où j'y joue. J'aurais voulu y jouer même avant, j'ai pas eu le temps jusqu'à maintenant. Mais là, je vais enchaîner, je vais faire au moins 3 heures avant d'aller me coucher. Les 3 premières heures du jeu, qui seront pratiquement toutes en vidéo. Je vais faire, je vais faire 2 ou 3 vidéos là et. Donc les mettre sur ma chaîne tant qu'elles se chargent et tout. Il faudra plusieurs jours. Je pense que dans quelques jours elles y seront. Mais voilà. En tout cas, gros jeu que j'attends depuis longtemps. Hein. C'est le jeu que j'attends le plus depuis de tous les jeux qui sortent là depuis 6 mois. C'est largement le jeu que j'attends le plus. Que j'attendais le plus, et même un des jeux que j'attends le plus pour l'année 2022, hein, même s'il y a d'autres gros jeux qui sortent, bien sûr, c'est une année quand même assez folle, hein, niveau sortie jeux vidéo quand même, et il faut quand même le dire, c'est au-dessus largement de l'année 2021, et notamment en ce mois de février où il y a quand même quelques gros jeux, en mars aussi, là février-mars c'est de la folie. Hein. Donc voilà, alors on va regarder, alors je sais pas, bon les bonus, bon d'accord, ouais, ok, l'accessibilité, alors il y a beaucoup d'options, hein. L'accessibilité. Bon, après ça sera ça, je peux y laisser de base, il y aura beaucoup à modifier au fur et à mesure, surtout qu'il y aura une niveau de difficulté aussi, il y aura plus de choses encore quand on aura lancé le jeu, je pense. Ouais, ça sert à rien d'y faire maintenant, on pourra échanger en cours de partie. On lance, c'est parti. Alors ouais, bon là le choix de niveau de difficulté est là, mais on pourra modifier plus tard. Donc moi les jeux en général je les fais tous au niveau normal. Histoire c'est beaucoup trop facile parce que comme j'ai fait 2 fois quand même Horizon Zero Dawn, et puis j'ai fait le DLC, et comme je me suis quand même bien amélioré, j'ai fini Horizon Zero Dawn hier. Même si le jeu est très différent, hein, quand même, hein, bien sûr, d'Horizon Zero Dawn, il y a quand même une différence, il y a quand même pas mal de choses qui ont quand même changé un peu, qui sont surtout bien mieux. Mais après, il y a les bases du premier quand même, hein, donc voilà. Niveau difficulté, je pense que voilà, histoire, c'est trop facile, c'est trop facile aussi. Au niveau normal, ouais, pour une première partie, niveau normal, et après, à la limite, on peut refaire le jeu en difficile à la limite, mais voilà.
notre niveau normal. Voilà. C'est quoi ça? Assistance. Information ATH minimale. Observez votre environnement pour trouver votre chemin. Navigation guidée, des marqueurs et des icônes apparaissent à l'écran pour vous aider dans votre aventure. Alors, honnêtement, l'exploration quand même est beaucoup mise en avant dans le jeu parce qu'il y a des améliorations, il y a le grappin, il y a une sorte de paravoile, machin, il y a pas mal de choses. On peut même voler, enfin voilà, sur une monture, enfin voilà, c'est complètement ouf. Après, si je vois que c'est trop galère à trouver les lieux, les quêtes et tout ça, les machins, après je peux changer, mais je préfère dans un premier temps vraiment, globalement sur une première partie, bah être en exploration, quoi, pas être guidé, assisté, quoi, au niveau de l'exploration, ouais. Voilà. Allez, go! Dès le début, ça envoie du lourd. Je me sens bien. Je ne laisserai pas disparaître.
Cette vallée en contrebas est la seule piste qui nous reste. Mon dernier espoir de trouver la copie de secours. Je ferai tout pour la récupérer. Je le jure. Ah, Varl. On fait quoi? Ça doit être urgent pour que tu sois parti si vite. Tu t'es mis à fouiller des ruines. Ou bien tout ça a un rapport avec Daniel. Les deux, en fait. Ça fait trop longtemps que je te cherche. C'est rien. Après tout ce que tu as fait pour aider Nora et ma famille, j'ai fait le serment d'aider. Quoi qu'il en coûte. Je vais pas te lâcher. Comme l'écorce sur un arbre. D'accord. Mais si tu veux m'accompagner, il faut que tu puisses voir ce que je vois. Un focus. J'aurais jamais pensé à un troisième œil. Je t'en donnerai un autre plus tard et je te ferai copier tes clés. Donne. Les informations de l'appareil. Je vais tout expliquer en route. J'ai récupéré des pièces sur le chemin. Il faut des plantes médicinales pour plus tard. C'est l'heure de ta première leçon de focus. Ça me va. On peut commencer. Première cinématique qui était pas mal. On retrouve Varl qui était dans le plus d'avant, le premier opus. Alors le focus R3 bien sûr. Ouais, ça c'est comme dans Horizon Zero Dawn. Pareil. Graphiquement, c'est une tuerie. C'est assez impressionnant graphiquement. Alors, je vais juste voir les trucs graphiques. Il n'y a pas des visuels. Ah ouais, c'était dans visuel privilégié. Non, c'est celui-là qu'il faudrait pour améliorer les graphismes, le visuel soit le mieux possible. Alors malheureusement, j'ai pas une télé 4K HDR, hein. J'ai une télé juste 4K normale. Mais ça rend déjà bien, mais... Et j'ai comme objectif d'ailleurs d'acheter une télé 4K HDR là bientôt, en mars. En mars ou en avril. À la place de ma télé HDMI 1080p, comme ça j'aurai deux télés, une télé 4K normale, et une télé 4K HDR, voilà.
Voilà, un 4K HDR, je mettrais la PS4 Pro et puis la PS5, quoi. Là, il faut... Les graphismes sont vraiment oufissimes. Et alors, si t'as une télé 4K HDR, ça va être encore plus impressionnant. Une bonne télé 4K HDR en plus, ouais, vraiment. Ouais, et grande et tout. Ça doit être vraiment un truc de malade mentaux, les graphismes. Parce que même déjà là, pour moi, c'est j'y trouve, mais c'est assez énorme. Ouais, je suis en mode waouh là, en mode contemplation. Ouais, voilà. Bon, je cherche pas trop ce qu'il y a à faire là. Bon, j'ai pas bien compris d'ailleurs ce qu'il y a à faire, mais bon. Ouais, il y a un mode photo, bien sûr, hein, oui. Bon, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire là? C'est pas très clair hein, sur ce qu'il faut faire. C'est même pas marqué. Rejoindre les ruines anciennes, ouais, mais c'est où? Ah, c'est pour ça, oui, d'accord, que au niveau d'exploration, au niveau d'être guidé ou pas. Ah ouais, bah du coup, ouais, mais là, à la rayon, il faut. Du coup, ça aide vraiment pas du tout, hein. C'est pas ce qu'il faut faire, hein. Ouais, à mon avis, c'était là. Et là, hop. Ah oui, ça fait plusieurs fois que tu te dis, mais bon, à part ça. Je
J'ai rien compris à ce qu'il disait là. Ouais, parce que là, sinon, j'arrive pas à savoir où il faut aller, moi. J'ai des problèmes d'un peu de vision dans l'espace, d'apraxie et tout, donc... quand même... Ok. Au moins pour le début, parce que là, sinon... Thank you.
Alors, ouais, les flèches. Voilà. Moi aussi. Moi aussi. Mes flèches sont prêtes. Il y a une échelle. Mais on ne peut pas l'atteindre ici. On devrait pouvoir déborder ça avec une flèche. Faut juste viser les yeux. C'est magnifique, le visuel est incroyable. Il y a eu un peu d'agitation quand on s'est aperçu par les parents. Et puis on s'est dit que je voulais avoir une bonne raison. Oui, c'était le cas. La mienne, ils ne sont pas contentes. Et tu aussi, les amis. C'est un peu le même genre qu'il y avait dans le premier Horizon au début. Hein. C'est un peu dans le même style. Comme dans le... Bon, ça c'est assez basique, hein. C'est assez basique et facile parce que c'est un peu vraiment comme dans le 1, ça. Voilà un autre. Et puis globalement, c'est les mêmes commandes que dans le 1, donc. Là, pour ceux qui ont fait le 1 il n'y a pas longtemps, comme moi, on n'est pas dépaysé. Hein. Quelqu'un d'autre a-t-il assisté sur cette machine. Et donc,
Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la fin de la fête, ma mère a ramené la nourriture. Et le roi Soleil a rappelé ses citoyens en réparation de la ville. Et je suis parti à la recherche. Ouais, on va récupérer des... Alors, l'entrée des ruines, ouais, ben, je sais pas. Je dois tirer sur le bébé. On monte à l'échelle, voilà. Ouais, j'ai trouvé le premier où je suis tombée dans une ruine. Récupérer les ressources d'une réserve ancienne. Il vaut mieux en avoir plusieurs. Quoi pour vous accomplir, ça, quoi. Comme d'hab, hein. Allez, bah. Bon, là, on est encore dans le tuto, dans le prologue, hein, bien sûr. Vous l'avez compris, hein. Pour avoir vraiment le début du vrai jeu, il faut attendre quand même 3-4 heures, à peu près, hein, je pense. Enfin, 3-4 heures, je sais pas, ouais, peut-être 3 heures, à peu près. Avec la lance. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Ouais, examiner.
Voilà. Il y a des chasseurs qui se gambadent là, qui explorent et qui tuent des machines. Ah, ah, qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça sent? Oh là là, oh! On s'entraîne sur le mannequin d'entraînement. Ouais. À l'arc maintenant. On esquive, on esquive, on esquive. Allez. À l'arc. On esquive. On esquive, on esquive, on esquive. On esquive rien, mais c'est une sorte d'entraînement, quoi. Voilà. Quelle agilité, c'est un œil incroyable. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Ah oui, là. Des débris. Il a l'air cassé, mais on peut-être le réparer. Accroche-le au rubri. Et je tire par les frères. Ça pourrait marcher. Le focus peut nous aider à fouiller le camp et à trouver quoi réparer cette outil. Le focus a remarqué quelques trucs à examiner. Un câble. Une pièce de machine et un câble de machine. Schéma découvert, outil de ratisseur. Fabriquer l'outil. Ah oui, il y a un établi, oui. La traiteur. Bon, bah, en fait, la traiteur, c'est le grappin, en fait. Ouais, c'est ça, voilà. Savoir si le grappin sur des emplacements adaptés. C'est quoi, j'ai les objets, elle est traitée, ouais. Savoir si le grappin sur les machines adaptées. Sur des emplacements adaptés. Câble de machine, pièce de machine. Voilà. Un attracteur.
tester sur les débris. Pas compris là. Oh là là. Ah mais. Ouais, c'est bon là. C'est laborieux, hein, faire ça, hein. Ah, mais quand même. J'ai l'impression que ça va pas être simple, ce défi. Je devrais scanner la zone. Il faut qu'on trouve un moyen d'avancer. Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur, on n'a rien donné. Pas de truc à récupérer là. Non, bon. Bon bah on est avec Varl, bon voilà. On avance, on.
faire descendre les échelles pour pas. Allez, on rentre. Qu'est-ce qu'ils vont découvrir là? Eh oui, attention, qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Ça là est un endroit spécial quand même. C'est pourquoi nous sommes si fiers d'avoir ressuscité l'Isis. Ce que nous pouvons avoir entamé en orbite, Zénith Montan le concrétisera en moins d'une décennie. Mais tout cela n'est qu'à début. Quand le vaisseau sera terminé, nous envoyons d'Isis et son équipage la recherche de Zénith. C'est intéressant, dommage, corrompu. Au milieu des étoiles. Oui. Plus ou moins. Ce vaisseau, l'Odyssée, il n'est jamais arrivé sur les étoiles. Il y a eu un problème et il a explosé. Nous connaissons les projections, instabilité économique, nouvelle biocontagion, IA menaçante. Tout ou tard, l'élite mondiale devra faire face à un danger qui se fatale. Chez les lointains, nous croyons qu'il faut fuir l'inévitable. C'est pourquoi nous visons les étoiles. Vous avez vu ce que nous construisons ici. Une infrastructure pour soutenir la création du lycée. Un centre de données de pointe qui permettra des avancées technologiques rapides. Et vous avez vu comment j'ai changé la perception du public. Investissez et rejoignez-moi. Réservez votre cochère dans le lycée. Préservez votre niveau de vie loin des préoccupations terrestres. Ils avaient raison pour la fin du monde. Mais ils ne savaient pas encore. Comment? Alors, ce qu'il disait là-bas, sur le futur de l'humanité, c'était donc faux. Ces gens, la seule chose qu'ils voulaient, c'était sauver leur peau. Eh ben, ça n'a pas bien tourné pour eux. Cet Oswald a parlé d'un centre de données. On ne pourra pas y aller. On va trouver un autre moyen.
Ok, bon, bah... Surtout pour le pire, non? Peut-être, non? Parce que... Il y a un truc là à récupérer. Parce que tu sais, il y a une icône. Mon focus va peut-être être utile ici. On va monter là. Il n'y a pas de point d'accroche. Ah non. Non, non. Je crois que je peux retirer cette chose. Ça pour le moment. Ah, en fait, je stick. Faut bien utiliser je stick là pour reculer en fait, là comme ça. Mais il faut vraiment bien appuyer pour qu'en fait elle recule et puis que ça tracte sur le machin et que il se. Ça... Ok, ouais, non mais. Ouais, mais ça c'est une nouveauté dans Horizon donc. Un petit moment quand même d'adaptation quand même hein. Et ouais. Ah oui, oh là là, le serpent qu'on a vu déjà dans les trailers. Ce côté-là est un peu chelou, quoi. Non. Mais bon. Sérieux. Ah par là t'es obligé d'aller en filtration, c'est méga chelou. J'ai essayé hein, mais bon, pas évident. Hein. Ah, il faut jeter des pierres là pour. J'ai pas utilisé le bon mot. Non, parce qu'il s'est maintenu R2. Oh là là, mais qu'est-ce que. Oh là là, mais.
L'infiltration, j'aime pas. Moi, dans les jeux, quand c'est pure infiltration, plus infiltration, on est obligé de jouer infiltration, sinon ça échoue la mission, le truc. Qu'est-ce que j'aime pas, ça? Alors ça, par contre, au moins, vraiment, j'aime pas. Hein. Que ça soit n'importe quel jeu... Ils avaient besoin de mettre ça, là, au début du jeu, sérieusement. Est-ce qu'on peut y aller?